Senyor cònsol general de França a Barcelona, senyora Martina Camiada, delegada del president de l'Institut Perpinyà, benvinguts, benvinguts tots vostès amb aquesta inauguració de la 7a Masterclass Diplomàcia Territorial i Innovació. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de la Llengua Catalana i un institut de recerca en gairebé tots els àmbits de les ciències i les humanitats, que té més de 100 anys d'història i que és la primera editorial científica en català del país. L'Institut compta amb uns 300 membres, entre numeraris, emèrits i corresponents, que pertanyen a 5 seccions i té una 30a de societats científiques filials i una 12a de societats adherides. Té la seu principal en aquesta casa de convalescència, que suposo que heu pogut veure o podreu veure després, i té delegacions en tots els països catalans, una d'elles, la de Perpinyà, que dirigeix la doctora Martina Camiada. L'Institut organitza contínuament actes acadèmics, congressos, jornades, conferències i activitats com aquesta masterclass. Com veig que la majoria de vosaltres veniu d'universitats franceses, seguiré, encara que sigui breument en francès. Soyez le bienvenu à l'Institut d'études catalanes, qui est l'Académie de la langue catalane et un institut qui mène des recherches dans presque tous les domaines des sciences et des sciences humaines, qui a plus de 100 ans d'histoire et est le premier éditeur scientifique en catalan du pays. Ça veut dire le premier éditeur en catalan du monde, alors c'est gros, hein? L'Institut compte environ 300 membres, entre numéraires, émérites et correspondants, affiliés à une douzaine de sociétés scientifiques, une trentaine, excusez-moi, et une douzaine de sociétés scientifiques adhérées à l'Institut. Il a son siège dans cette maison de convalescence et a des délégations dans tous les pays catalans, c'est-à-dire dans tous les pays où on parle le catalan, qu'on le nomme catalan ou valencien ou algérien, mais jamais patois. L'Institut organise en permanence des actes académiques, des congrès, des conférences et des activités telles que cette masterclass. Seguiré en català, si m'ho permeteu. La masterclass, que va ser creada fa 7 anys, és més que una senzilla trobada. És un projecte de descoberta, una construcció conjunta que afavoreix la transmissió de coneixement entre universitaris, professionals i estudiants. És un mòdul de formació que vol possibilitar interaccions entre dos mons, la universitat i el professional. Contribueix a formar professionals seriosos, rigorosos i íntegres, que són molt necessaris avui dia. És també un projecte d'animació de xarxa al voltant d'un àmbit emergent, la cooperació territorial europea, i més precisament la cooperació transfronterera. Vol ser un nínxol d'una xarxa de professionals, estudiants i futurs professionals a través d'Europa en una perspectiva euromediterrània. Enguany, la temàtica d'aquesta 7a masterclass cobreix la diplomàcia territorial i la innovació. La diplomàcia territorial esdevé igualment una eina pels ens públics per participar en la política europea, al centre de la Unió Europea, i això ho veiem cada dia, els ens públics practiquen una petita política estrangera que els permet traspassar la frontera nacional i desenvolupar cooperacions interregionals, transfrontereres, transnacionals i macroregionals. Aquesta diplomàcia territorial europea se suposa que contribueix a la posada en marxa de la política regional comuna. El rol de les regions dins la política regional va ser reforçat el 2007 quan la Comissió Europea incorporà l'objectiu de cooperació territorial que condueix a que les regions, a part d'aquesta seva petita política estrangera, com he dit abans, contribueixin a la cohesió econòmica i social a Europa. Per altra banda, gràcies a l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial, poden formalitzar relacions exteriors amb els seus veïns europeus i posar en marxa estructures jurídiques transnacionals. La innovació és d'una importància capital per a aquests nous espais, amb l'objectiu de modernitzar tot tipus d'organismes, empreses i institucions que s'han d'adaptar i mostrar la seva capacitat d'innovació.
Vosaltres treballareu aquests dies amb un programa ric i suggeridor i espero que aprofiteu bé tot el que s'explicarà. Deixeu-me que us faci dos apunts brevíssims, dos exemples, un de positiu i un altre de negatiu, al meu parer, d'aquesta diplomàcia territorial. En primer lloc, el positiu. La gestació des de Catalunya d'una diplomàcia científica i cultural, faig èmfasi en aquesta, perquè aquesta és la casa de la ciència, aprofitant que hi ha molts investigadors catalans, que per raons diverses estan repartits pel món, que poden explicar què és Catalunya, què fan en recerca i quins anhels d'independència política té el país. Aquest seria l'exemple positiu. Això s'està tot just posant en marxa. L'exemple negatiu, no cal que us ho digui perquè cada dia ho podeu llegir als diaris, el Brexit i la manera com es va generar, com s'ha negociat i els perjudicis de tota mena que produirà i que ja està produint. Res més. Tot jo ja he dit que serien dos apunts brevíssims, potser tindreu ocasió de parlar-ne, si més no, d'aquest darrer. Que feu molta feina i que us sigui profitosa aquesta masterclass. I amb molt de gust dono la paraula a la senyora Martina Camiada, que és la delegada, com he dit, de l'Institut de Perpinyà. Davant, Martina. Moltes gràcies, president. Bien, moi je vais continuer en français si vous le voulez bien. Donc les masterclass, comme l'a dit le président, elles existent depuis 2011, cela fait 7 ans, nous sommes à la 7e masterclass, grâce à quelqu'un que vous avez ici, qui est Robert Botegui, et donc tous les directeurs de master qui sont aussi parmi nous aujourd'hui. La plupart sont arrivés et d'autres vont arriver dans les heures ou demain. Alors, qu'est-ce que c'est que ces masterclass ? Elles se basent d'abord autour d'un ensemble d'interrogations relatives aux enseignements sur le comment faire, sur les questions de sens, les pourquoi aussi, de la coopération, et qui interpellent de plus en plus les étudiants, dont ici vous êtes à peu près 107 aujourd'hui, et nous en remercions. Et c'est aussi à partir d'une conviction que nous avions qu'il fallait traiter à tout prix cette dimension de la formation en humanité, de jeunes professionnels qui a pris corps et ce projet pédagogique de la masterclass qui s'appelle donc Trans, frontières et dialogue des disciplines. C'est plus qu'une simple rencontre, ça c'est sûr. C'est un projet de découverte, une co-construction qui favorise une transmission de savoir entre les professeurs, les professionnels, les universitaires aussi, les enseignants, dans une démarche de pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux étudiants et pas beaucoup aux enseignants-chercheurs, là, dans ce genre d'exercice. Car c'est au cœur de la réflexion que se pose la question de la place de l'homme. Elle contribue à former des professionnels rigoureux, cette masterclass, soucieux d'une véritable convivialité sociale. Ça, c'est très important pour nous aussi. C'est un projet aussi d'animation de réseaux, qui est très important, les réseaux, quand on fait de la coopération territoriale européenne et quand on travaille avec l'Europe. Autour d'une discipline émergente qui est cette coopération territoriale européenne et plus particulièrement parfois la coopération transfrontalière. Il vise à tisser un réseau de professionnels, d'étudiants, de professionnels à travers l'Europe dans une perspective euro-méditerranéenne, ce qui est très important aussi à souligner. Il réunit des intervenants qui viennent d'horizons disciplinaires souvent très éloignés, des professionnels de la coopération territoriale européenne, transfrontalière, décentralisée, des universitaires d'ailleurs et des enseignants que nous avons ici, formation initiale et continue, des chercheurs en sciences humaines, mais aussi en sciences, en théologie des religions aussi, et qui abordent donc la question de l'interculturel. L'objectif, quel est l'objectif ? C'est accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle et dans leur formation humaine par une pédagogie que l'on appelle inversée. Dès le début de l'année universitaire, vous avez eu donc Robert Botegui qui est là présent, qui s'est engagé et qui intervient dans chacun des masters donc, pour présenter la manifestation, introduire le thème et engager la préparation de leur exposé que vous allez nous faire par la suite. La masterclass se déroule donc sur 3 jours et comporte 3 temps très importants, les exposés des étudiants, ensuite le premier jour, puis ensuite, un travail collectif qui sera basé en deuxième jour sur un intermaster, c'est-à-dire que les masters ici présents et les étudiants ici présents ne se connaissent pas,
entre les différents masters. Et donc, il va y avoir des groupes qui vont se créer, se former, pour travailler ensemble. Puis, on aura des regards croisés avec de grands témoins, des professionnels, des enseignants-chercheurs, et un temps de conversation, de débat et d'évaluation. Voilà, et nous en arrêterons là. Évidemment, le soir, vous avez le temps libre pour visiter Barcelone, dont vous avez toute une série d'événements que nous avons mis à votre disposition dans le dossier que vous avez. Alors, les perspectives, c'est d'abord la construction de ce réseau académique, de formation, de professionnalisation, d'étudiants, qui sont de haut niveau de qualification sur la coopération territoriale européenne, le dialogue aussi euro-méditerranéen, qui doit se poursuivre en gardant au cœur du projet que la prise en compte des enjeux professionnels et humains des nouvelles générations passe par ce dialogue et des disciplines dont l'éthique, par une pédagogie inversée, place l'étudiant au centre. Ici, aujourd'hui, présent pour cette septième édition de la masterclass, nous avons 107 étudiants qui représentent 11 universités, donc 8 universités françaises. On a une université catalane, l'Universitat Autonoma de Barcelona, une université italienne, une université allemande. Nous avons 37 accompagnants, je crois que nous battons le record. Donc on peut dire que Barcelone attire énormément sous un thème très important qui est la diplomatie territoriale et l'innovation. Voilà, alors je tiens pour finalement remercier les services de le cabinet de la présidence, toutes les personnes qui travaillent au cabinet de la présidence de l'Institut d'Estudis Andorans, la Rose, Rose Franquesa, Roger, Carla, le service de communication aussi de l'Institut d'Estudis Catalan, Gemma, Ernest, Lluís, qui sont là présents, le service de tout le matériel dont nous allons être filmés, nous avons toutes les possibilités de vidéoprojecteurs, etc. Et puis Claudine Tarenne aussi, qui est la secrétaire de la délégation, qui a beaucoup œuvré pour la logistique de cette masterclass. Ça fait des mois que nous y travaillons et qu'elle y travaille particulièrement. Et puis Robert Botegui, évidemment, pour son étroite collaboration que nous avons depuis déjà 1999, je crois, que nous avons commencé tous les deux, ainsi que les directeurs de master ici présents, les professionnels qui ont répondu favorablement à notre invitation et qui nous honorent de leur présence aujourd'hui, ainsi que monsieur le consul, dont j'honore ainsi la présence. Merci beaucoup. Merci à tous. Monsieur le consul général, vous avez la parole. Merci infiniment. Bon dia, benvinguts a tothom i moltes gràcies per la seva participació a aquest acte. Je vais parler en français, que je maîtrise un peu mieux que mon catalan. Donc, merci à tous d'être présents. Je suis enchanté d'être parmi vous aujourd'hui, parce que vous tous réunis, ces nombreux participants, 107, si je comprends bien, 11 universités, un nombre record d'encadrants et d'accompagnants, vous incarnez une diversité qui n'est pas un fantasme, qui n'est pas un simple imaginaire, mais qui est une réalité et qui est avant toute chose une richesse. Et en ce moment de mise en cause généralisée de l'Europe, de la réalité aussi d'un espace méditerranéen, dans ce moment de tentation extrême de repli sur soi et de frilosité, vous êtes la preuve absolument vivante que ces espaces existent, qu'ils ne sont pas des imaginaires qui ne sont pas des fantasmes, mais bien quelque chose de vivant que vous contribuez à faire vivre. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut le contester, je pense qu'il faut en être extrêmement fier et le revendiquer. Le thème que vous avez choisi pour cette masterclass, diplomatie territoriale et innovation, ne peut manquer de laisser un diplomate que je suis interrogateur. Et je mets un peu les pieds dans le plat. De quoi parlons-nous quand on parle de diplomatie territoriale ? Pour un diplomate de carrière du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'idée qu'il y aurait une diplomatie des territoires peut sembler suspecte. Suspecte parce que ça peut être perçu comme une menace, une dépossession, mais finalement, de quoi s'occupent-ils ces territoires, puisque la diplomatie,
c'est l'affaire des États. Et même, c'est quand même un peu dangereux, parce que le monde est suffisamment complexe et fragmenté, pourquoi rajouter du chaos au chaos ? Et la complexité est telle qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à la réduire pour faciliter des prises de décision politiques. Et donc, parler de diplomatie territoriale pour un diplomate de carrière, ça peut être quelque chose d'intrigant, voire, comme je le disais, de suspect. Ça peut être aussi perçu comme une illusion. C'est-à-dire que dans un monde qui serait un peu irénique, on dirait, oui, bien sûr, il y a une diplomatie territoriale, mais en se disant que derrière, non, non, mais ça, c'est les discours, et puis au fond, c'est l'affichage, mais derrière, non, la réalité du pouvoir diplomatique appartient toujours aux États. Faisons-leur croire qu'il y a une diplomatie territoriale, mais la réalité, c'est qu'elle n'existe pas. Bon, et la preuve en est que finalement, dans l'empire du droit international public, si tant est qu'il existe encore un empire du droit international public, le sujet de droit par excellence, ce sont les États. Ce sont les États qui composent les organisations internationales, à telle enseigne que lorsqu'on dit c'est la faute à l'Europe, non, c'est la faute des États, puisque ce sont eux qui constituent les organisations internationales. Et même si l'Union européenne ne se perçoit pas comme une organisation internationale, dans l'ordre international public, elle l'est toujours. Et donc ce sont bien ces États qui les font vivre, ces organisations. Bon, ok, donc un diplomate interrogateur. En même temps, la raison d'être de la diplomatie, en tout cas moi c'est la 16 à laquelle je m'astreins, c'est d'être lucide et d'essayer d'anticiper. Et si on est un peu lucide, on ne peut pas nier qu'il s'est passé depuis, allez, on va dire une trentaine d'années, quarantaine d'années, des choses, que le monde a été bouleversé pour le meilleur et pour le pire, et que de nouveaux acteurs ont émergé. À tel point que lorsqu'on parle aujourd'hui d'une conférence internationale comme le sommet des deux rives dont vous parlerez un peu plus tard, on ne peut pas imaginer que ce sommet ait lieu sans associer d'une manière ou d'une autre les sociétés civiles à travers des représentants, des canaux qui peuvent être les organisations non gouvernementales et des collectivités territoriales d'une manière ou d'une autre. Donc la lucidité, au bout d'un moment, nous impose de nous rendre compte de cette réalité-là et de nous poser une question toute simple, et là c'est une interrogation qui est vertueuse, que fait-on ? Et comment agissons-nous avec ces nouveaux acteurs, étant entendu qu'ils contribuent effectivement à complexifier la donne, dans un monde déjà très fragmenté, mais qu'ils peuvent être aussi, et c'est le biais que nous devons prendre, une source de richesse. Alors, deuxième réflexion un peu globale, donc une diplomatie territoriale, oui, certainement, mais quelle est cette diplomatie ? Peut-on à proprement parler de diplomatie ? Parce qu'après tout, puisqu'on ne parle pas d'État, mais d'autres choses, d'autres entités, peut-on parler de diplomatie ? Ou est-ce que c'est encore autre chose ? On ne va pas faire des grands débats théologiques sur la nature de la diplomatie, il y en a qui ont une vision très utilitariste, en gros, par des moyens coercitifs, faire pousser et obtenir un certain nombre d'avantages, obtenir satisfaction sur des intérêts vitaux, donc c'est une vision très utilitariste. Il y a une vision plus déontologique sur le plan des valeurs qui consiste tout simplement à considérer que la paix est un objectif en soi qui vaut par lui-même et en lui-même. Quelle que soit la manière d'anticiper, de considérer la diplomatie, il est certain qu'aujourd'hui, les territoires ont une conduite et une action qui est diplomatique, qu'il s'agisse de pousser des intérêts de manière non coercitive ou même de contribuer à des efforts de paix ou de régulation internationale sur les communs, les biens publics mondiaux, vous les appelez comme vous les voulez. Et je reprendrai l'exemple, évidemment, du réchauffement climatique. Aujourd'hui, dans un contexte difficile de mise en cause de l'accord de Paris, des engagements qui ont été pris lors du sommet historique de décembre 2015. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, les territoires, sont des acteurs majeurs pour faire vivre cet accord et surtout pour lui donner un effet utile. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit à un moment d'agir. Et on voit bien aujourd'hui qu'une instance comme le C40, qui regroupe les 40 villes les plus importantes du monde engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, sont un acteur majeur pour faire pression de manière empirique et du bas vers le haut sur les États, pour que les États eux-mêmes s'engagent fermement, pas simplement sur des paroles, mais sur des actes. Donc oui, il y a bien une diplomatie des territoires.
Dernière observation, cette diplomatie, en quoi peut-on la relier à une innovation ? Deux points de réflexion à ce sujet. Comme je l'ai dit, ça découle un peu mécaniquement de mon propos précédent, elle est innovante en tant que telle. Elle est innovante puisque de nouveaux acteurs se sont emparés de grandes questions globales, nous des relations avec des collectivités d'autres États, et ça n'existait pas il y a, mettons, une cinquantaine d'années. Donc en soi, cette diplomatie-là, cette conduite de relations internationales par des collectivités territoriales, des échelons infra-étatiques, est en soi innovante. Elle est innovante aussi parce que elle nous oblige, et ça renvoie un peu à mon observation liminaire, nous, diplomates représentants des États, à changer notre paradigme, à changer notre imaginaire, à changer notre manière de conduire l'action diplomatique. Et quelque part, à faire en sorte que la diversité de nos pays soit mieux représentée et mieux exprimée. Je prendrai un exemple d'actualité, la crise des Gilets jaunes. On pourrait considérer, mais finalement, bon, moi comme diplomate, la crise des Gilets jaunes n'a pas grand-chose à voir avec moi, avec mon action au quotidien. Je peux considérer que finalement, mon action ne va concerner que certaines institutions, souvent des institutions d'élite extrême, que mon action ne va concerner que des relations d'ordre politique. Je pourrais passer 3 ans ici à Barcelone en ne faisant que ça. Si je fais ça, je pense que je manque l'essentiel de ce qui fait la richesse de la France. C'est-à-dire que la richesse de notre pays, et c'est vrai pour la Catalogne aussi, elle est aussi en dehors des métropoles. Si je ne pense pas dans mon action diplomatique à des jeunes qui habitent en Aveyron, qui habitent dans l'Aisne, donc hors de grandes métropoles, alors je pense que je ne remplis pas ma part du contrat, et quelque part je participe aussi à ma manière à un sentiment d'abandon que certaines populations peuvent légitimement ou pas, ça dépend, avoir. Donc, le fait qu'aujourd'hui les territoires s'imposent de plus en plus comme des acteurs à part entière dans l'ordre international fait que moi, je dois, comme diplomate, changer également ma focale et ma manière d'exercer mon métier. Troisième, dernier point, pourquoi est-ce que c'est porteur d'innovation ? Tout simplement parce que lorsque je vais à Bordeaux, j'y étais hier et avant-hier, que je vois la route des lasers, un pôle de compétitivité unique en son genre en France. Lorsque je vais à la Cité internationale du vin, lorsque je discute avec le président de l'Université de Bordeaux, lorsque on voit bien que toutes ces institutions-là sont porteuses d'excellence, sont porteuses de diversité, sont porteuses quelque part de ce que nous pouvons faire de meilleur. Et c'est vrai en Catalogne aussi. Je disais au président que je vais à Tortosa tout à l'heure, à 2 heures de route de Barcelone, il y a de l'excellence, cette excellence mérite d'être portée aussi à l'extérieur, de telle sorte qu'il n'y ait pas ce sentiment d'abandon. J'étais ce matin avec le maire de San Frutos de Bages, qui est à côté de Manresa. Ils ont un projet culturel autour de la figure d'un grand peintre du XXe siècle. Mon devoir est de faire en sorte de les aider dans leur capacité justement à porter hors de San Frutos, hors de Catalogne, ce projet-là. Et ça, je pense que ce changement a été impulsé pour une part par les ONG et d'autre part par les territoires, et c'est pour le mieux. Dernier point en conclusion, j'ai beaucoup parlé, et ce que j'ai dit finalement, j'ai enfoncé beaucoup de portes ouvertes, finalement, bon, mais ça va mieux en le disant quand même. Il y a un impératif, c'est faire. Et vous qui avez l'avenir devant vous, vous qui incarnez une Europe, l'Europe, vous qui incarnez cet espace méditerranéen vivant, vous avez une injonction qui est de faire. La diplomatie, si c'est pour parler comme c'était le cas auparavant, ça ne suffit pas. Parler, c'est faire à certains moments et c'est fondamental, mais traduire dans des faits, dans du dur, des coopérations et des partenariats, c'est ça qui doit nous guider. C'est effroyablement compliqué, ça prend du temps, c'est un métier d'agriculteur, c'est labourer un champ, c'est le semer, c'est être soumis à des aléas, à d'autres acteurs qui vont mettre en cause. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, il y ait une récolte. Et si on ne fait que parler, alors on se fera plaisir, mais
le monde continuera dans sa course un peu folle du moment vers une fragmentation toujours plus forte. Et là, je ne sais plus ce que l'on pourra faire. Il ne sera peut-être plus le temps des diplomates, mais celui d'autres personnes peu recommandables. Donc, une seule recommandation, pensez, oui, pour mettre à distance, mais pour mieux faire ensuite derrière. Voilà, merci en tout cas pour votre invitation.